sculpteur en jeu donc pour cette première édition 2002, la finale entre le Thaïlandais Noin Trakarn qui a battu l'Australien John Wayne en quart de finale, le Français Mourad Sari en demi-finale. Et face à ce Thaïlandais aux 70 combats et 55 victoires, Alain Zankifo qui a battu en quart de finale Renato Hassett et en demi-finale Jerry Morris. Le cœur balance pour qui, Valérie? Je pense pour les deux parce que l'enjeu aussi est très important et c'est rare en kickboxing, c'est rare dans ces catégories de poids. En Thaïlande, une somme d'argent comme ça, c'est vraiment considérable. Et puis pour Alain Zankifo, c'est la même chose, ça sera vraiment sympathique. Okay. Allez, on va y aller pour cette première reprise, $70,000. Je crois que c'est ça. En jeu, le trophée, et c'est parti. Alain Zankifo en culotte noire face à Noin Trakarn. Ah non, il vaut mieux qu'il bouge. Là, c'est important pour pas, se faire casser les appuis. Et c'est ce qu'il fait. Oui, avec la gauche, les deux hommes qui ne se sont jamais rencontrés. Combat en kickboxing. Trois reprises de 3 minutes. Le même nombre de rounds. Allez, c'est la finale, il faut donner tout ce qu'on a. L'enjeu est important. Allez, Alain Zankifo, on connaît bien, hein, lui, le boxeur de Villeneuve-la-Garenne qui habite Bobigny. 86 combats. Champion du monde en kick. Alors est-ce que ça peut être un avantage vraiment face à ce gaucher Noin Trakarn qui a très peu disputé de combats en kick? C'est certainement un avantage car là encore le Thaïlandais ne pourra pas user ses genoux, ne pourra pas user ses coudes. Encore deux armes au moins. Ah, on a vu hein, ça, on renoue avec la grande tradition des grands tournois. On avait vu ça mais dans des catégories plus importantes ici, notamment en mi-lourd à Bercy. C'est bien que Samy se polarise un peu sur à la catégorie des poids moyens. Des poids moyens, il y a des bons boxeurs dans toutes les catégories, dans les petits poids, dans les poids moyens, chez les poids lourds. C'est bien qu'on puisse en voir. Allez, intervention, Pascal Delfos, l'arbitre de ce tournoi. Un premier round éprouvant avec des accrochages. C'est bien ça de la part de Zankifo qui a touché avec un petit crochet la gauche. Juste à la pointe du menton. Il faut qu'il lâche ses points là. Allez. Oui, bien fait de la part de Zankifo. Allez, pour l'instant il a été plus précis. Entreprenant. Et il a attendu que la jambe de Noin Trakarn soit levée pour enchaîner et contrer avec le crochet droit. Je crois que c'est la stratégie adoptée, il a travaillé les points bien pressés à pointe de menton. On contre. Et la fin de cette Ne recule pas. Lui aussi va. C'est parti, mec. T'as pas mal, dur.
Allez, dans le coin, il y a son frère Bob, de son vrai prénom Innocent, et John Haught. Alain qui nous disait avant ce combat, je sais qu'avec eux, c'est le trio gagnant. Il est bien parti là pour cette première reprise. Alain Zanquifo, lui qui s'est bien préparé cette fois-ci sur 3 minutes et non sur 2 comme d'habitude en kick. C'est vrai qu'il s'est entraîné sur des temps plus longs, comme ça lui laisse plus de chances à arriver en combat. Donc bien sûr, à l'entraînement, il n'y a pas d'extrême. Oui, c'est fini. C'est magnifique, Alain. C'est attention, bravo. Il peut être disqualifié là. Ah, il peut être disqualifié là. Attention, le Thaïlandais est remonté surtout. Attention. Non, oh là c'est, là. Bon, c'est bon, c'est bon. Oh là là, attention. Pascal dit telle faute là. Oh, oh non, il ne va pas disqualifier quand même. Oh bah écoutez. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Oh là, attention. Oh là, attention là, parce que là c'est. Il le laisse récupérer. Hein, non, il ne le laisse pas récupérer. Attention, parce que là normalement c'est disqualification. On n'a pas le droit de rentrer sur le ring. Oh là, attention là. Oh. Alors là, c'est dur pour Alain. Oui, c'est dur. C'est dans le fond aussi, on n'a pas été professionnel. On a pu vendre la peau de l'ours. Attention. Parce que là, on peut être très strict. On n'a pas le droit de pénétrer. On n'a pas le droit d'accrocher. On n'a pas le droit d'accrocher non plus. Ah, il s'en passe hein, des choses. On le croyait vraiment KO et du coup ça a aussi retardé un peu le compte. Qu'est-ce qu'elle était belle cette accélération de Zanquifo. La précision de ses points arrivait juste à la pointe de menton, c'est vrai que c'était parfait. Et là c'est dur pour Alain parce qu'il a un petit peu relâché la tension et c'est dommage. Ça lui a cassé un peu son combat. Allez. C'est Thaïlandais qui ont des facultés d'encaisseur. On les connaît, hein, les Thaïlandais. Ah, et un mental d'acier. Mais bon, bah, il a touché, voilà. Il a retouché encore une fois à la pointe de menton. Il faut qu'il continue ce jeu, voilà. Voilà, alors cette fois-ci, on va refaire la même erreur. Alain Zanquifo. C'est bon, il va quand même se relever. Il est quand même valeureux ce Thaïlandais, mais je pense qu'il va être arrêté. Oui, oui. Hein. Oh là 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 là, il faut faire attention là, il compte pas trop vite, il faut pas le casser de photo, il faut l'arrêter, c'est terminé. Alain Zanquifo peut danser. Il est le premier vainqueur de ce grand tour noir des poids moyens. Lui qui recevra ce trophée dans quelques instants sur ce ring de Bercy. Ah, il est content, il laisse éclater sa joie et le public la lui rend bien. C'est une ovation pour lui, tout le monde est debout. Standing ovation. Ah, il est content, c'est vrai que 3 combats, c'est dur, dans une même soirée. De belles images. Allez. Le Thaïlandais qui s'en va. Il est déçu. L'œil de la carne. Il était touché. Oh. Quelle finale. Voilà, c'est la finale. Finale historique. Et pour remettre au vainqueur de cette finale, ce trophée va être remis par monsieur Maurice Ruiz. Oui, mais c'est un truc qui va monter son ring, monsieur. Mais non, on voit. Allez. Et alors, ce dernier coup, ce chaos. Et la décision, Alain Zanquifo, vainqueur de la plus belle des façons. Et un trophée qui est amené par Sami Khepchi. Allez, le trophée amené par Sami Khepchi, ce trophée réalisé par Jean-Baptiste Seclair. KO à la deuxième reprise. Et donc, le vainqueur de la grande finale du tournoi des Poids Moyens, Alain Zanquifo. Alain Zanquifo, vainqueur du grand tournoi. Et c'est Maurice Greene en personne qui va lui remettre le trophée réalisé par Jean-Baptiste Seclair, trophée qui a été...